Tu auras besoin de 24 bougies chandelles, des marqueurs de couleur ou noir comme tu préfères, des pochoirs que j'ai découpés à l'aide de ma machine à découper, maintenant tu peux le faire à main levée sans problème, et pour finir, d'un bougeoir. Le mien vient de chez Aldi. Donc la première chose à faire, c'est de prendre une bougie. Ensuite, je prends mon pochoir, mais c'est optionnel. Voilà, ici j'ai le 1. Et puis je le colle sur ma bougie. J'essaye que ce soit droit. Voilà, je le colle bien. Et puis je prends un de mes marqueurs, ici je prends le mauve. Et je vais colorier l'intérieur. L'avantage avec les pochoirs, c'est que je peux dépasser un petit peu. Ce n'est pas trop grave. Une fois que c'est sec, je décolle mon pochoir. Et voilà, ma première bougie est faite. Il ne me suffira plus qu'à la mettre dans le bougeoir et de l'allumer le 1er décembre. Maintenant, je vais colorier toutes mes bougies. Et une fois que j'ai fini de faire toutes mes bougies, d'écrire le chiffre dessus, je les mets dans un pot et je n'ai plus qu'à chercher le chiffre du jour. Tu auras tout d'abord besoin d'un cintre en métal, en fil de fer presque, de différentes boules de Noël, de tailles différentes. Et tu pourras peut-être aussi avoir besoin d'une pince assez large. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut faire un rond avec ton cintre. Donc le plus facile, c'est de ne pas l'ouvrir, puisqu'il faudra l'ouvrir par après pour insérer les boules. Donc tout d'abord, il faudra tirer dessus. Il faut quand même de la force, c'est pas facile, il faut prendre le temps. Donc tirer dessus et puis en faire une forme ronde. Et alors pour ça, tu pourras t'aider de la pince pour vraiment faire la forme. Donc une fois que c'est fait, voilà, tu devrais avoir un cintre comme ceci, rond. Plus ou moins, ce sera pas parfait, mais c'est du fait maison. Et puis une fois que tu as ça, donc tu peux l'ouvrir et puis commencer à enfiler tes boules. Bon voilà, j'ai sorti toutes mes boules. Celles-ci viennent de chez Carrefour, celle-là chez O'Green, une jardinerie, celle-là de chez Action, celle-ci de chez Action, celle-ci de chez Action, celle-ci de chez Primark, ainsi que celle-là. Et celle-là était vendue de nouveau dans la jardinerie. Et c'est des boules qui sont en vente pour la fondation Pink Ribbon, donc pour le cancer du sein. Donc voilà, je commence, je prends une boule, je l'enfile, je la fais passer à l'autre bout, et puis je continue à enfiler les boules. Voilà, une fois que j'ai mis toutes les boules, on me voit, coucou, il faut réussir à refermer. Ça, c'était de la partie un peu plus difficile. Et voilà, une fois que c'est refermé, ta couronne est finie. Donc tu pourras l'accrocher directement avec le cintre. Et ce que tu peux faire aussi pour cacher justement tout ça, c'est faire un gros nœud. Bon, moi ici, je n'avais pas de ruban, j'ai oublié d'en acheter. Donc je le rajouterai par après. Donc faire un gros nœud avec un ruban dans les mêmes tons que les boules que tu auras choisies, ça peut être joli. Voilà. Alors celui-ci se déroule en deux parties. Donc d'abord, pour faire la pâte à sel, j'aurai besoin d'un plat, d'un verre, de la farine, du sel, de l'eau que j'irai chercher par après et de quoi mélanger mon mélange. Puis une fois que ma pâte sera faite, j'aurai besoin de modèles de maison que j'ai trouvé sur internet, de quoi découper la pâte, et puis quand elle sera cuite, j'aurai besoin de peinture, de paillettes, de la colle et des pinceaux. Je commence d'abord par ma pâte à sel, donc j'ai besoin de 2 verres de farine, de la même quantité de sel mais une fois, et puis d'un verre d'eau, je vais le chercher. Voilà, et donc je verse l'eau et je mélange petit à petit. Voilà, la pâte est prête. Ensuite, je mets un petit peu de farine sur mon plan de travail. J'ai aussi mis une feuille de papier sulfurisé pour protéger ma table, mais ça, c'est toi qui vois. Je prends un petit peu de pâte. Je vais la rouler dans la farine parce qu'elle colle un peu. Plus il y a de farine, moins elle colle.
Il ne faut pas qu'elle soit toute dure non plus. Voilà, une fois que ma pâte est bien, je la trouve bien, je l'étale. Je la fais pas trop fine, mais pas trop épaisse non plus. On peut prendre un rouleau à pâtisserie pour avoir plus facile. Ensuite, je prends ma maison, je la place. Et puis avec mon couteau, je commence à découper. Une fois qu'elle est faite, je la place sur mon papier sulfurisé où elle ira cuire un peu plus tard. Et maintenant, je fais toutes mes maisons et puis on se retrouve après pour la cuisson. Alors une fois que mes maisons sont cuites, je n'ai plus qu'à les peindre. Voilà, puis je la laisse sécher et je mettrai sûrement une deuxième couche. Donc voilà, je fais ça avec toutes mes maisons. Une fois que toutes mes maisons sont peintes, je vais maintenant m'amuser à mettre des paillettes un peu partout sur les maisons pour rendre ça un peu plus joli. Et voilà ce que ça donne. Bon, quand ce sera bien sec, je passerai sur les paillettes qui sont là avec un pinceau. Et donc voilà, je fais ça comme je veux. Voilà, maintenant je fais ça sur toutes mes maisons. Et voilà, une fois que mes maisons sont prêtes, je n'aurai plus qu'à les coller avec mon pistolet à colle chaude. Donc j'ai pris un plateau ici de chez Action. Et vu que je vais coller les maisons, bah, je vais les coller sur un plateau. Et puis après, je le décorerai avec de la fausse neige et tout ça. Et donc tu pourras voir ce que ça donne juste après. Tu auras besoin d'un anneau à broderie. Le mien vient d'AliExpress, d'une branche de fausse fleur ou d'une vraie fleur, d'une branche de sapin, comme tu veux, de différentes boules de Noël, d'une guirlande lumineuse et d'un pistolet à colle. Donc la première chose, c'est que je vais coller la guirlande lumineuse à l'intérieur. Donc je vais mettre un point de colle. Je colle le fil. Voilà, j'espère que tu me vois. Ma lampe est là. Donc je ne colle pas sur la lampe, je colle vraiment sur le fil. Et je vais mettre un deuxième point de colle à côté pour coller la suite du fil. Voilà, j'attends un petit peu. Et alors le boîtier, je le collerai ici derrière et il sera caché par la fausse fleur, la fausse plante. Donc voilà, comme ça on ne la verra pas trop. Donc voilà, je fais tout le tour. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma fausse fleur et je vais la coller aussi point par point en faisant un arrondi. Avoir peur de mettre de la colle. Je laisse sécher pour que ça prenne bien. Et voilà ce que ça donne une fois que ça colle. Pour la prochaine étape, je vais mettre une boule sur un fil. J'ai changé d'avis, plutôt que de les coller comme ça et que ça ne soit pas très, très joli. Voilà, j'enfile ma boule, je fais un nœud. Et puis je viens l'attacher ici. Comme ça, même si je veux changer plus tard, je pourrai toujours récupérer mes boules. Hop, voilà. Et voilà, j'ai fini. Je n'ai plus qu'à mettre des piles. Je vais aussi coller ma prise. Alors il faut faire attention de ne pas couler sur le cache qui coulisse pour pouvoir changer les piles. Voilà, je maintiens quelques secondes. Et puis une fois que c'est sec, je peux l'allumer. Et voilà, ma couronne est prête.